there's a fire, burn the fire brigade. Help our souls tonight, we are losing, losing this fight. Oh, help our souls tonight. Yo les gars, c'est Jérém Jim. Alors, je commence cette vidéo. Déjà, petite parenthèse pour dire merci à Alice, voilà, la dernière fois qui m'a fait un petit don. Et du coup, ça y est, j'ai pris, enfin décidé sur le pack. J'attendais qu'il arrive pour le skin du Anubis. Voilà, pour pouvoir changer son talent. On va essayer tout de suite. Voilà, on va essayer tout de suite. Voilà, j'ai le skin, il me faut un second talent parce que Dieu de la guerre 5, ok, 8. Ok, ça m'a énormément servi, j'ai pu finir assez vite les donjons grâce à ça. Mais maintenant, ça devient limite. Ça devient limite, alors, boum, échanger. Ok. Il a quand même gagné déjà 50 000 PV, rien qu'avec le skin, donc c'est déjà pas mal, c'est pas mal du tout. Grâce à ça, alors du coup, aussi, on va se faire des tirages de talent. Est-ce que son skin, je vais lui laisser ? Bon, ça pourrait être pire. Je suis pas très très fan, mais ça pourrait être pire. Alors du coup, va... Oh non, ça ne va pas du tout. Mais on va essayer de le changer, parce que moi, ça reste encore les talents, hein, le point faible. J'ai la plupart des héros qu'il faut, surtout j'ai la panique. Mais un niveau de talent, c'est pas dingue, tu vois. Bon là, j'ai 10 000 gemmes, du coup, il faudrait quand même que j'en aie un bon. Non, brûleur 4, ça va pas être un bon talent. Tenacité 2, non là j'ai mis tranchant 5. Bon, je suis absolument pas fan. Augmente l'autocritique. J'avais ça sur Rudolf, mais je l'ai changé pour mettre. Il est où Rudolf? Là. Mais j'ai changé pour mettre ça. Après, il y a peut-être Crève-Cœur sur laquelle ça pourrait être sympa, mais Crève-Cœur, j'ai un dieu de la guerre aussi. Je suis pas fan, hein. Je suis pas fan du tout, alors peut-être sur lui. Tranchant 5, c'est vraiment pas dingue. Hein. C'est ça qui est dommage. Pfff. Sur elle, ça va me servir à rien non plus. Lui, il a quoi? D'accord, ok. Sur lui, ça va pas être bon non plus. Tranchant 5, c'est pas ouf. Hein. Ça reste pas dingue. Bon, là, j'ai un dieu de la guerre de l'autre côté. Bon, non, pas spécialement fan. Sur lui, à la place du fou furieux. Bon, à la place du dieu de la guerre 3, on va dire. Bon, dans tous les cas, c'est un talent qui ne sert à rien. Du coup, on pourra quand même le remplacer comme un dieu de la guerre. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas ouf. On va remettre tout de suite son revita, on sait jamais. Ok, on va continuer de se faire. On a eu du 5 qui vient de tomber. Tu les écarts de talent, non. Choisir pour consumer, oui. Voilà, moi il me faut un bon niveau 5. Un bon, un pot de pierre 5. Oh, scindé. Donc c'était pas du tout split divisé. Inflige 1000 pour... Inflige 1000 plus 100% d'attaque en dégâts supplémentaires en attaquant. Aussi 20% de chance d'infliger des dégâts équivalents à 5% des PV max. Bon, là-dessus on était correct, mais là on n'était pas du tout correct là sur le scindé. 1000 plus 100% d'attaque en dégâts supplémentaires en attaquant. Bon, là, apparemment, il parle pas de dégâts normaux, mais apparemment, ça a l'air d'être ça quand même. D'accord, on part 2. Non, non, non. Feu sacré 1. Bon, on aurait pu avoir le 5, hein, sans déconner. Pot de pierre. Oh là là, je vais avoir que des 1. Ça se passe comment? Ouais, coup puissant, super. Non, il nous faut un gros talent. Gros? Non, 1400 gemmes restants. Pas de gros talent. Absolument pas de gros talent. Alors tant pis, je veux partir sur ça. Mais il me faut un talent là. De la guerre 3, non, on s'en fout. Autodestruction, s'en fout. Bon bah tant pis. Tant pis. Bon bah j'ai au moins le skin du Anubis qui va pouvoir me permettre de résister plus longtemps. Mais absolument aucun talent qui est sorti. Et ça c'est assez chaud. C'était là, c'était un réinitialiser gagné. Oh bah j'aurais peut-être gagné au moins des cartes. Par contre, là, je vais les garder. Je vais les garder pour me refaire des gemmes dessus. Parce que là, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Déjà qu'on gagne pas beaucoup de cartes de talent avec ça, là, cette histoire. Bon, ok. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, petite parenthèse. En tout cas, merci beaucoup, Liz. Là, depuis le temps que j'attendais ce skin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va déjà pouvoir bien résister, quand même. Mais dès que, du coup, dès que j'aurai un bon talent qui va sortir, eh bien, il passera dessus. Et c'est de la balle. Bon, après, un pot de pierre, ça aurait été cool.
Après, dès que j'ai un. Ouais, je vais peut-être pouvoir remplacer lui, mais l'idéal, ce serait conquête sacrée quand même. Hein. Est-ce que du coup, là, j'ai assez. Normalement, je dois avoir assez de cristaux. Oui, non. On est où là? Oh, ça va être limite. Limite, 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 limite. Oh, peut-être pas. Peut-être pas. Si je fais ça, ça en rajoute encore un petit paquet. Oui. Écusson. Ah, voilà. Gravé 100. Bah, du coup, en vidéo, gravé 100, c'est plutôt pas mal. Oh, j'ai peut-être oublié un pack. Moi, il y avait encore un petit coffre à ouvrir. Pack cadeau. Là, ça. Coffre d'écusson de niveau 5. Oh, encore tranchant. Bon, en écusson, ça pourrait peut-être être pratique. C'est à voir. Bon, là, par contre, c'est mes coffres d'huile de lave que j'ai pas encore ouvert hier. Mais il y aura rien d'exceptionnel là-dedans. Là, les boîtes infernales. Ouais, bon, ça pourrait être pire. Voilà. Bon, bah, en tout cas, on va passer sur l'autre partie. Alors, on va retourner sur le compte de Kendriss. Yo, bienvenue. On est de retour sur le compte de Kendriss qui a terminé avec son petit joujou, les gredins. Voilà. Donc, il est parti pour du garde enflammé 8. Renvoie 45% des dégâts encaissés. Bon, lui, il met ce petit Plibob là, je crois que c'est bien ça. Donc, c'est pas mal. Alors, du coup, ça fait beaucoup d'attaques quand même. Hein. 9000 d'attaques, plus 8000 grâce à l'écusson. Il est parti sur du feinte 6. Augmente attaque de 38%. C'est vrai que c'est bien. Moi, ça augmente encore son attaque. Il y a le garde enflammé qui augmente un peu sa résistance aussi. Donc, ça compense pas mal. Et surtout, il est parti sur de l'esquive. Parti sur l'esquive, bon, le précision, à mon avis, c'est déjà pas mal. Après, changer sur les derniers attributs, c'est compliqué. Donc, il est parti sur l'esquive. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle a mis l'écusson feinte pour augmenter encore plus l'esquive. Donc, c'est pas mal. Il devrait quand même bien s'en sortir. Je sais pas ce que ça peut donner au niveau des donjons pour voir comme la dernière fois. Après, il y a vraiment beaucoup de tours. Hein. C'est ça qui pose problème. Oh, il y a un héros de mort. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Atlanticor, ça va être chaud. Si je pouvais l'esquiver, ce serait cool. Oi. En termes de dégâts, c'est pas mal quand même. Hein. Ça reste correct. Est-ce qu'il va récupérer sa vie ou pas? J'ai eu peur quand même là. Hein. Je sais pas ce que ça donne. Il y a beaucoup trop de tours là, qui le défoncent à distance. C'est chaud. Ouh, il y a des petites bouboules là. J'avais pas remarqué ça au début. Je faisais pas bien gaffe avec ça. Ah, ça c'est pas mal quand même. En plus, les Molta, ils ont quand même beaucoup de vie dans ce mode-là. Bah après tout seul pour du donjon ça sert à rien, ça va pas arriver souvent. Donc bon c'est peut-être pas non plus l'idéal. Là il y a un mort ici. On va le réanimer. On va le réanimer. Alors du coup on va regarder peut-être dans quel mode. Alors les arènes les a déjà faites. Oui, il est reparti, deuxième. Vous avez défié, bon, peut-être vous avez été défié, vous avez été défié. Ouais, c'est la guerre là-haut. C'est la guerre. Alors on va partir plutôt sur un raid. On va partir sur un raid. On va pas non plus aller se chercher un joueur de psychopathe dès le début. Ok, bon allez, on va aller lui laisser un peu de temps pour déclencher. On va lui mettre voilà quand même. Allez, un peu de vie. Pour voir ce que ça donne. Oh! Ok, les dégâts de zone sont vraiment pas mal. Hein. Voilà, il y a Ross, c'est compliqué. Bon, ça reste des Evo 2 quand même en face. Hein. On n'est pas non plus sur des joueurs de gamins. Ouh, la base, une base classique, ça pète vite avec lui. Hein. Quand même. Ça m'a l'air sympa pour foncer dans le temps. Hein. Ça m'a l'air sympa. Oh, et le tir silencieux, il est quand même bien efficace. Il tire au-delà des murs. Oui. Pour pouvoir faire des trous dans les bases, c'est pas mal. Hein. Bon, par contre, on va quitter, on va pas faire le tour de la base non plus. Oui, allons voir un autre joueur. Après, le héros cheaté de l'année, faut pas peut-être pas exagérer. Mais bon, ça a l'air d'être pratique. Lui, en tout cas, il est bien content. Il a hâte de le tester en GDG. J'ai demandé qu'il filme sa GDG pour nous. Parce que bon, si je me fais des raids en mode GDG avec son compte, moi, ça va pas le faire vraiment. Parce que bon, je sais pas non plus utiliser ces héros comme lui, faut pas exagérer. Oh, il y a le tornado qui a mis cher au Lavanica ici. Oula! Ah bah, il est mort en premier, c'est quoi cette histoire? On a démarré avec de la magie pourtant. Il est revenu à la vie, oui, forcément. D'accord, le Squelettica en face, c'est pas mal là de Ragnar. Hein.
Bon, ça a fini par passer. C'est sûr, on a démarré avec de la magie. J'aurais peut-être dû essayer sans magie. Parce qu'au final, le combat, de toute façon, il a duré tellement longtemps que la magie n'a pas servi à grand-chose, c'est sûr. Bon, par contre, là, tous ces héros sont à 12 sur 12. même Sirina, par contre, là, ça fait bobo, là. Hein. Là, ça fait bobo. Du coup, là, attends, là, je sais pas ce que vous en pensez de lui pour l'instant, d'après ce que j'arrive à vous montrer. Je suis peut-être pas non plus très doué pour les démonstrations de héros que je ne connais pas très bien encore. On les a un peu plus utilisés que moi, lui. Mais... Bon, déjà, c'est dommage qu'il prend le stun. Et les petites boulettes, là, c'est pas mal, hein. Allez, par contre, le chef, il prend bien son retrait, hein. Là, il est bien en retrait. Bon, il a pris que 4000 de dégâts. Ça va, niveau résistance, c'est correct. Là, par contre, il a son sort de chargé. Il est pas autoproc, par contre. Ça, c'est dommage. Ouh! Alors là, il a pris cher, Mickaël. Il a pris 700 000 de dégâts. Bon, là, c'est sûr, j'ai déclenché la magie quand même. Mais il a pris 700 000 de dégâts. C'est pas mal, là. Il a quand même pris 700 000 de dégâts. On va tester un petit peu en royaume perdu. Bon, royaume perdu, c'est délicat pour tester. On verra forcément forteresse aussi. Je vais essayer de l'être là demain. Normalement, demain, je peux être là ce soir. Je ne suis pas là. Mais demain, hop. Ça devrait le faire. Bon, on va prendre le petit coffre au passage. Oh, t'as énormément de cristaux. Waouh. Bah, je te prends ça au passage, mais je pense pas que ça va être très utile pour toi. Mais bon, au moins, ça, c'est fait. Ah ouais, quand même, 700 000 de dégâts. Va partir sur un raid là, parce qu'il faut que je confirme ce genre de dégâts là. C'est quoi ça? Bon, après, c'est sûr qu'il ne devait pas avoir peau de pierre sur lui. Mais c'est pas mal du tout ça. Il faudrait une ville sans chasseuse, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Là, il n'y a pas de chasseuse, il y a du minot. Il y a du Tréhantor. Ok, là, on est bon. On peut aller voir là-dessus. Il n'y a pas. Oh là là, c'est parfait. Ok. Ouh, ça fait un joli trou. Alors, les héros, ils vont prendre combien de dégâts là? Bon, 68 000 par celui qui lance des lames. Ok. Et là, ouch. Bah, j'ai vu qu'il y a des héros qui sont morts. Ronin, on voit qu'il se prend. Il s'est pris beaucoup de dégâts, le Ronin. Hein. Il renvoie de dégâts. Bon, ça reste à voir. Du coup, ouais, juste. Cheaté, non, peut-être pas non plus, mais on verra. Surtout avec sa GDG, j'ai hâte qu'il puisse nous la filmer et vous la faire partager, surtout pour voir ce qu'il vaut dans de vraies conditions. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, bon samedi soir à tous et on se dit à demain. Tchuss!